Bonjour, je suis Sarah Roumac, je suis scientifique embarquée à bord de Tara. Et là, sur le leg Boston-Lorient de Tara Pacific, on réalise les derniers prélèvements de plancton sur la transatlantique. Donc tous les jours, on va faire des stations de prélèvement en surface, donc avec deux instruments. D'une part, le dauphin qui est relié à une pompe péristaltique pour pomper de l'eau de mer en surface. Et aussi, on va mettre à l'eau un filet spécial, c'est-à-dire un filet à haute vitesse. C'est un filet qui a été conçu spécialement pour qu'on le déploie sans réduire la vitesse du bateau. C'est-à-dire, habituellement, les navires océanographiques ont réduit leur vitesse à 2 nœuds pour faire les traits de filet de plancton. Et là, sur Tara, sur l'expédition Tara Pacifique, on fait des traits de filet à une vitesse entre 6 jusqu'à 9 nœuds. Voilà, et c'est un filet donc qui a une maille de 300 microns et qui a une structure spécialement conçue, donc son ouverture est réduite pour réduire la pression de l'eau de mer qui rentre dans le filet pour ne pas déchirer la maille du filet à plancton. Et donc après le prélèvement au filet, le trait de filet, on réalise deux types d'analyses d'échantillons sur ce filet, une fixation au formol. Donc pour analyser la morphologie des cellules planctoniques, donc qui ont une taille supérieure à 0,3 mm. Et aussi, on fait des filtrations donc sous vide, donc sur des petits filtres. Alors c'est donc, on concentre le trait de filet en fait sur des petits filtres pour étudier la diversité génétique, c'est-à-dire les gènes et l'empreinte génétique et pour caractériser les espèces, l'ADN des espèces qui sont présentes dans le filet à plancton. Et ces prélèvements sont directement stockés dans un tank à azote liquide, c'est-à-dire à moins 180 degrés. Voilà. Alors, si on voit bien, voilà. Si j'ouvre, ça fume. Voilà. Salut !